Alors il faut en finir avec cette politique qui transforme des collégiennes, des collégiens, des lycéennes et des lycéens, des étudiantes et des étudiants en parias parce qu'ils n'ont pas la bonne nationalité, pas les bons papiers, pas le bon lieu de naissance. Le réseau Éducation sans frontières appelle l'ensemble des organisations syndicales et politiques qui refusent qu'une partie de la jeunesse soit privée du droit à l'éducation à rejoindre le mouvement de protestation initié par la jeunesse lycéenne et par l'exemple donné par le lycée de Vincent Dindy. Faisons reculer ce gouvernement et obtenons tous ensemble la régularisation de tous les jeunes majeurs scolarisés et de toutes les familles d'enfants scolarisés. Merci pour eux. Ici la haine, on m'avait dit petit gars, la mort, on t'enlève tes chaînes. On te donne une maison, jetée dans l'arène, comme ici, tout petit après 9 mois à peine. Merci. Allez manger sur la place de la mairie, on vous rejoint. Parce que c'est les juges qui ont le dossier entre les mains et que tant que le jugement n'est pas fini, tant que tous les jugements sont pas finis, donc toutes les procédures mises en place, tout ça, les recours, tout ça, son OQTF, donc obligation de quitter le territoire, ne sera pas appliquée, donc il peut vivre tranquillement entre guillemets, finir son bac. Sereinement, ainsi que toute sa famille, car il ne sera pas expulsable aujourd'hui comme demain, ni le mois prochain. Il a le droit de suivre. Merci à vous. Et merci d'être là, tout le monde. Je voudrais remercier tous qui sont présents ici et qui me soutiennent, notamment mes amis, les professeurs, et le réseau
Réseau Éducation sans frontières. Je suis content et fier d'avoir des gens comme vous à côté de moi. Votre présence me donne la force et l'espoir de continuer mon combat. Je suis heureux d'être en France et j'espère que je pourrai rester. J'ai pas de mots pour décrire mes sentiments. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup.